Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Science du Terroir, le programme donc autour des produits du terroir de la chaîne YouTube Coscience. On est sur le Larzac, exactement. Bonjour. À la brasserie du Larzac avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors qu'est-ce que c'est les sciences du terroir pour vous le présenter très rapidement? En fait c'est donc de parler de sciences autour des produits du terroir. Nous on se spécialise sur la bière, donc on a fait un petit tour, alors pour ceux qui connaissent, on a fait un petit tour de quelques brasseries, hein, d'une dizaine de brasseries qui sont sur le territoire de la région Occitanie. On parle de bière, on parle de fermentation, on parle de houblon. L'objectif, c'est de parler bien sûr de science à travers ces produits du terroir. On n'est pas tout seul, effectivement, dans ce projet Science du Terroir. On est avec l'association Radio Campus Montpellier et l'association Kimio. Et on remercie la région Occitanie qui nous apporte donc leur soutien dans le cadre de la réalisation de ce projet Science du Terroir. Mais à Coscience, on ne fait pas que ça. Si vous fouillez un peu sur notre chaîne YouTube, vous allez voir, on fait des discussions avec des experts, avec des scientifiques, on parle en fait de plein de choses, et donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube, et pourquoi pas, si jamais ça vous plaît, à vous abonner et effectivement à vous tenir au courant des prochaines réalisations. Il y en aura dans l'été, hein, parce que là effectivement on est en juin, c'est la dernière, c'est le 11e numéro, après on prend des vacances juillet-août, mais il y aura du contenu en juillet-août, il y aura du contenu à la rentrée, donc tenez-vous au courant sur la chaîne YouTube de Coscience. On va parler donc de la brasserie du Larzac. Là, nous sommes à la Blaquière. La Blaquière du Larzac, exactement. Juste à côté de la 75, hein, pas très loin pour ceux qui connaissent, hein, entre donc Montpellier et Millau. Peut-être on peut parler un peu justement de l'historique de cette brasserie. Quand est-ce qu'elle a été créée? Bien sûr. Et l'histoire un peu effectivement de ces quelques murs qui sont autour de nous. Eh oui. Alors nous, on est arrivé dans cette brasserie là actuelle. C'était fin décembre, c'était suite à 4 mois de travaux qui m'ont permis d'amener les cuves ici, de faire la meilleure implantation, de voir aussi derrière les fermenteurs, tout ça. Et donc la brasserie, pour répondre à ta question, elle date d'une quinzaine d'années. Ça a commencé en 2006, c'est mon père qui a commencé cette aventure. Au début, ils étaient deux brasseurs en Aveyron. Bon, maintenant, il y en a un peu plus, on va dire. Et donc, ça fait une petite quinzaine d'années. Voilà. Et puis, bon, lui, il approchait un petit peu de la retraite. Et donc, l'idée... Il n'était pas que brasseur, en plus. Il n'était pas que brasseur. Ouais, effectivement, il était agriculteur. Il avait 200 brebis. Mmh. Et il faisait ça à côté aussi, au début, pour s'éclater un peu. Et puis, petit à petit, il a commencé à vendre des bières, un peu comme tout le monde. Hein. Et puis, la brasserie du Larzac est née. Et puis, il recherchait un repreneur il y a un an et demi. Et puis, de fil en aiguille, c'est nous qui avons repris le flambeau. Voilà. D'accord. Donc, toi, avec ta femme? Moi, avec ma femme, exactement. Ouais. Okay. Voilà. On est 50-50 sur la brasserie. Moi, je m'occupe plus de l'aspect production, voilà. D'accord. C'est pas très original, mais c'est comme ça. Donc, jusqu'à la mise en bouteille. La mise en bouteille, on l'a fait ensemble avec ma femme. Et puis après, l'aspect étiquetage, livraison, elle gère tout ce qui est administratif. Et il y a beaucoup de travail. Voilà, on est deux pour l'instant et voilà. Est-ce que vous avez une formation dans le brassage ou pas du tout? C'est vraiment en autodidacte là pour Alors, le coup, j'ai une bonne formation en dégustation, c'est vrai, pour savoir. Ouais, ouais. Pour savoir ça, c'est important, c'est important. Exactement. Ça, ouais. Pour savoir ce qu'on veut brasser, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on veut faire. Et voilà, donc en dégustation, après c'est pour rigoler, mais c'est vrai que c'est important, voilà, de savoir si on veut être plus sur une bière... de type ale, de type pils, voilà. Et ensuite, non, c'est pas du tout ma formation. J'ai une formation de prof de PS à l'origine. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis après, j'ai une formation d'infirmier aussi, où j'ai fait 10 ans d'infirmier à domicile. Et brasseur, non. Brasseur, c'est les livres. Et c'est la transmission. C'est la transmission de mon père, exactement. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Pendant 15 ans, je l'ai vu brasser. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai vu beaucoup d'étapes, mais jamais dans l'ordre, en fait, parce que je passais à droite, à gauche, le matin, l'après-midi. Puis le jour où on a brassé ensemble, voilà, tout a repris forme. Ouais, le sens, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Et j'ai vite pigé le truc. Maintenant, après, il faut se former tout le temps. On est une bonne
de copains brasseurs, donc ça c'est bien aussi. Si j'ai des questions, j'ai des questions, mais toute la journée, tout le temps. Et on a l'impression que les brasseurs, justement, il y a, ouais. y a ce côté ouais. échange de savoir-faire, ouais, de technique. Bien sûr. Ouais. Là, moi, c'est plus moi qui les appelle, parce que c'est plus eux qui ont des choses à me transmettre énormément, même s'il y a certains, quand même, qui commencent à se lancer et qui demandent un peu des renseignements, tout ça. Mais c'est vrai que c'est une source qui est très importante, ouais, d'informations. Le milieu de la brasserie artisanale, c'est bien. Ça serre les coudes et ça se ressent, Et c'est ça, bien. c'est quelque chose à noter parce que c'est vrai que c'est pas Ouais. dans tous les milieux pareil. Donc, Non. effectivement, de voir dans la bière un peu que les brasseurs s'échangent, qu'il y a ce côté-là, effectivement, d'échange de savoir-faire, ça, c'est Ouais. très intéressant. Et vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans pas mal des lives puisque vous verrez qu'il y a beaucoup de brasseurs qui parlent des uns et des autres aussi Ouais. et effectivement de ce que font aussi les autres. Combien de tu as d'hectolitres qui sortent ou de litres qui sortent de bière, quel je dirais Par quel semaine, par mois, alors par... on va dire oui peut-être pour les quelques mois d'activité que vous avez eu. Depuis le début... En plus vous étiez dans la crise sanitaire, vous avez Oui, commencé bon. c'est vrai, c'est vrai. C'était le défi en plus, mais ça n'a pas tellement impacté en fait le début. D'accord, Au d'accord. contraire, peut-être que ça a peut-être boosté aussi. Parce qu'il y a un retour au local, il y a un retour... Oui, c'est vrai, acheter des produits locaux, à Voilà. revenir vers le producteur, Je pense, en tout cas, ça nous a pas... On a eu peur un peu au début, hein, parce que reprendre une brasserie en plein confinement, ça Oui, paraît sur le papier, tu dis ça au banquier, il est pas d'accord. Mais non, franchement, ça a été super pour ça. D'accord. Et après, ta question, pardon, c'était... Ouais, combien Ah oui, combien d'hectolitres ou... d'hecto? Ouais. Là, pour l'instant, depuis mon premier brassin, on va dire que c'était le 28 décembre, on va le compter en 2021, on est autour de 200, 250 hectolitres. Donc Ok, cette année, je ne sais pas ok. où on va. Là, en fait, on vient de faire comme l'année dernière à peu près. Voilà, ça va vite, quoi. Ça va vite. Et on ne sait pas où on va. Donc peut-être ça va être une année à 400 hectolitres, peut-être 500, je ne sais pas du tout. Ok, On est au ok, taquet, en tout cas. On ne peut pas ok, brasser plus. ok. Le matériel, voilà, il tombe en panne, on le répare, on y va. Puis vous le voyez le matériel hein, sur l'image, si vous regardez, vous avez les fermenteurs qui sont juste derrière nous, hein, c'est ça, Exactement. Les fermenteurs, bon, pas fait maison, mais comme j'ai expliqué, c'est pas du tout des fermenteurs pour la bière à l'origine. C'est des Qu'est-ce que c'est fermenteurs, alors que... c'est des cuves de transport de fromage blanc ou de Ok, crème de ok. marron. Ah Voilà. oui, de crème, Ouais, d'accord. c'est ça. Donc Et typiquement, on dirait c'est vrai, oui, c'est vrai. Aveyronnais-Lozérien. C'est ça. C'est ça. Et puis bon, après les brasseurs en France, on aime bien. Il y en a beaucoup qui brassent avec ça. Hein, les faire transformer par un chaudronnier. Et voilà, ça fait des bonnes cuves. C'est pas le must parce que du point de vue température, contrôle de température, on n'est pas dans. Il n'y a pas de double paroi parce que la double Ouais, paroi c'est pas mal ouais. parce que la fermentation va générer une chaleur. Et cette chaleur, elle peut être évacuée soit via de l'air, soit via de l'eau. D'accord. L'eau, quand même, tu régules beaucoup mieux. Là, c'est de l'air, en fait, qu'il y a autour. Donc, bon, en termes de régulation, c'est pas le must. Mais en termes de Ok, prix, c'est le ok. Ah oui, bah oui, parce que must. c'est 10 fois moins cher Ah ouais, c'est que... beaucoup moins cher, ouais. Et puis, pour une brasserie comme moi, petite, artisanale, et puis où je débute un peu quelque part, bon, mais c'est pas mal. Au lieu Ouais. de. Voilà. Au lieu de faire des investissements qui sont des fois un Exactement. petit peu Voilà, on va conséquents, attendre, quoi. on va attendre. Ouais. Il y a le temps. Sur la gamme de bière, alors on la voit juste là, vous l'avez ici. Vous êtes à combien de références alors pour Et le bien là, moment? on est à 7. Voilà, là, il y a Ah, nos 7 sept références. références. Alors, on n'a pas les 7 toute l'année. Moi, ce que je m'engage auprès des gens avec qui je travaille, c'est qu'on a les 4 premières toute l'année. Ok, donc Donc, blanche. blanche, blonde ambrée IPA, Ok, IPA. ok. Et ensuite, de temps en temps, bon, la triple, je crois qu'on va pouvoir la passer avec celle-là parce qu'elle est beaucoup, comment dire, Demander? demandée. Ouais, Ouais, j'ai beaucoup ouais, de demandes. Et au début, j'étais parti pour faire 3-4 brassins sur l'année, mais je crois que je vais en faire plus. Et tant mieux, c'est bien. Ah bah Ça veut dire qu'elle plaît. Moi, ça me plaît ouais. aussi. Donc voilà. Et ces deux, c'est on appelle ça des éphémères. Donc ça, c'est une bière à base de pain, dont on Ouais, parlera tout à l'heure peut-être, carrément. qui s'appelle la Gardarème, c'est en hommage aux 50 ans de la lutte du Larzac, dont moi je suis issu aussi, Contre l'extension du camp du camp militaire, militaire, voilà. ouais, Et en plus vous êtes à d'accord. La Blaquière là, et c'est un village aussi emblématique de cette lutte du Larzac, donc D'accord, pour moi il d'accord. y a beaucoup de cohérence et c'est très important. Et ça c'est celle que je viens de sortir il y a 2 jours, c'est notre East Coast, c'est une session IPA Donc là, on est pour l'été. sur le scoop. Voilà, c'est Voilà, ça, ça c'est exactement, vraiment. c'est Voilà, ça. ok. Il y en a d'autres, mais je dirais rien. D'accord. Même sous Non, la mais torture. voilà, ouais, mais c'est la torture, je dirais rien. Non, mais voilà, c'est notre petite dernière pour l'été. Ok. J'en avais jamais brassé. Je voulais brasser, même ça, hein, même la bière au pain, je n'avais jamais goûté.
J'avais jamais brassé, je me suis dit, tiens, allez, c'est parti, quoi. Donc, pareil, je prends beaucoup d'infos en amont, je téléphone aux copains, je bosse beaucoup mes recettes, ça dure des mois, en fait. Puis, au Ok. bout d'un moment, il faut y aller, quoi. C'est comme dans la vie, hein. Et bon, le plus souvent, ça paye, on va dire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, celle-là, c'est un bon premier brassin, même s'il y a Ok. quelques petits réajustements à faire. Et celui-là, le brassin est pas mal, me plaît pas mal, ouais. C'est une bonne base pour la suite. Et peut-être qu'on peut la goûter parce Ah oui, bah que, en oui, ça fait, y est. nous avons effectivement sorti quelques Genre. bières au frais Là, pour elles sont commencer. chambrées, là, ça y est. Là, c'est bon, ouais, elles ont tenu un petit peu. Parce qu'on a papoté un Hein. peu avant. Et les étiquettes sont super jolies. Hein. Voilà. Ouais, on voulait quelque chose un peu. Enfin, on voulait avec ma femme quelque chose qui fasse un peu. Super, merci. Bah, été, quoi. Hein, voilà. Et un peu coloré. Ouais. Sortie de confinement, ça se fête, quoi. Bon, je t'en offrirai après. Parce qu'il y a le caméraman derrière. Le caméraman est là, oui. Le caméraman, effectivement, qui devra attendre un petit peu peut-être pour boire. Donc dedans, pour en parler, je ne sais pas Ouais. si, voilà, Ah oui, carrément, c'est ouais. l'Azaka, donc le fameux houblon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le défi dans une bière comme ça, une session, pour moi en tout cas, c'est de donner du corps, parce qu'on est entre 3,5 et 4 degrés, donc c'est très très léger, du point de vue alcool. Et donc donner du corps à la bière, c'est-à-dire quelque chose qui se tienne un peu en bouche, pas que ça soit de l'eau, et au niveau de la mousse aussi. Tu vois, Ouais, ça carrément. c'est quand même. Enfin, en tout cas, à mon échelle et à mon niveau, c'est pas facile, mais c'est pour ça que je suis assez content, voilà, de ce premier brassin de session IPA. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier en termes Mais, de ah goût ben, au de... niveau, au niveau des goûts, c'est le houblon, hein, qui apporte beaucoup. Ouais, Les malts, on est sur une base de malt pale ale. Je bosse beaucoup avec du pale ale. Voilà. ouais. C'est un malt. Ok, Dans la bière, en fait, il y a deux malts. Il y a le Pilsen et le pale ale, en gros. Les malts de base ok. de la bière. Ok. Après, il y en a plein d'autres, hein, qu'on peut rajouter. C'est vraiment la base. Et le pale ale va donner voilà, des notes de céréales. Une note un peu dorée. On part un Ok, peu du ouais. jaune. Donc la robe sur le Exact. côté. Voilà, Ok. exactement. Ouais. Ça, cette couleur, voilà, c'est le pale ale qui le fait, quoi. D'accord, Et après, d'accord. on rajoute un peu de. Ça s'appelle. Moi, avec qui je bosse, il y en a plusieurs, mais ça s'appelle le caraclair. Et ça va apporter un tout petit peu de dextrine. Le dextrine, c'est le sucre résiduel qui est non fermentescible, qu'il y a dans les bières, notamment belges. Voilà. C'est bien Ok, avec beaucoup de ok. dextrine et donc beaucoup de corps. Et si on veut rajouter du corps, il faut rajouter un petit peu de dextrine. Voilà. Donc, Ok. soit par le biais du brassage, ou soit par le biais de l'apport des matières premières. Mais Ok, généralement, c'est les deux ok. combinés, en fait. Hein. Oui, Voilà. c'est les deux qui vont Voilà. derrière C'est réaliser. ça. Ok, Et tout à l'heure, ok. je vous parlais de ma méthode de brassage qui est par infusion. C'est une méthode qui amène peu de dextrine résiduelle. Voilà. Ok, Mais ok. on peut en avoir, hein, bien sûr. Mais on en a moins que dans une chauffe directe. Voilà. Parce que toi, c'est quoi la méthode alors? La méthode, c'est Ouais, par réinfusion ouais. monopalier. C'est-à-dire que je n'ai pas Ouais. de feu sous ma cuve d'empattage. Ok. Moi, je chauffe l'eau à côté. Je mets mes céréales. Je transvase dedans. Ok. Et je fais en sorte que la température soit bonne. Le plus souvent, ça dépend les bières, mais je suis autour de 67 degrés, Ok. 68 degrés. En fait, plus je vais empâter haut en température, plus je vais développer du dextrine. Donc, Ok. me rapprocher un petit peu. Je schématise beaucoup, hein, mais c'est pour qu'on Oui, comprenne. non mais Voilà. bien sûr, Mais bien sûr. me rapproche un peu plus de la bière belge. Donc, Ok. du corps, de la mousse, un peu sucré en bouche. C'est ça le dextrine, en fait. Et si j'ai un pâte en dessous, c'est d'autres enzymes qui sont contenues dans le malt. Ok. Voilà, qui Parce que là, il n'y a pas s'appelle. encore les levures, hein, on Il est n'y a pas du d'accord. tout de Les levure. levures, c'est au moment de la fermentation, c'est après, Voilà, quoi. là ce que je vous Ouais. parle, c'est la saccharification. La saccharification, c'est la transformation en fait, de l'amidon qui est contenu dans les grains de malt et de houblon en deux sucres, le maltose et le dextrine. Voilà. Et D'accord, nous, avec les d'accord. températures, on peut jouer à développer plus de maltose ou plus de dextrine. Et mon process, par infusion, a tendance quand même à développer plus le maltose, donc un sucre qui est fermentescible, et donc on ne retrouve Ok. pas la faim. Et donc ça fait des bières un peu plus. C'est des bières anglaises, en fait, tout simplement. Ok. Alors après, même si on peut jouer sur certaines choses, ça fait quand même un style de bière. Voilà. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais, t'es plus proche de ces bières-là, ça veut dire Exactement. que des bières Voilà. belges, par exemple. C'est de la Ok. bulle qui est plutôt fine, par Ouais, rapport à ouais. de la bière, des fois avec de la grosse bulle un peu carbonatée. Et en tenue de mousse, tu vois, toi, regarde, c'est marrant. Ouais, ça... Au niveau de la dégustation, c'est la C'est même vrai, hein? bière. C'est la même bière, et tu vois, toi, t'as de la mousse résiduelle et moi, non. C'est fou, hein. Et comme quoi ça peut varier Ah, mais de rien, c'est quoi. dingue, c'est Hein. dingue, ouais, c'est dingue. Et voilà. Bon, peut-être on va la goûter, ouais. Sinon, elle va chauffer après. Assez clair. Tu vas voir, c'est léger.
Ah oui, c'est léger. Hein. Oui. Ah, c'est pas une IPA qui attaque non, vraiment sur ça. Le côté amer. Là, exactement. Là, l'amertume, moi, je suis pas très fan déjà. Sur ouais. toute ma gamme, je suis pas très fan d'amertume. Donc, sur l'IPA, l'autre que celle-là, j'en mets un peu, forcément. Okay. Mais c'est pas des IPA qui attaquent vraiment sur non, ça. Non, ouais, parce que je me rends compte que c'est pas. Déjà, moi, je fais un peu ce que j'ai envie aussi. Mmh. Et je suis pas fan d'amertume totale. Voilà. Après, un jour, je m'amuserai à en faire une où il y a. Voilà, il y a de l'IBU, quoi, comme on dit, c'est l'indice de calcul hein, de l'amertume. D'accord. L'IBU. D'accord. Là, c'est un IBU qui est très faible en fait, faut que ça se boive facilement, quoi. Voilà. Ok, oui, c'est une bière qui se boit très facilement. Ça. Ça, en fait, c'est une bière d'été, c'est ça. C'est une bière d'été. Ouais. Je fais que de Brassens, c'est un éphémère, c'est que pour l'été. C'est quelque chose, ça prend le relais un peu sur cette IPA parce que celle-là, en journée. On est autour de 7 degrés, bah elle met une petite casquette. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Si on veut la boire le midi, et qu'on travaille l'après-midi, c'est pas terrible. Quoi. Exactement. Ça, c'est plus quand les enfants sont couchés. Voilà. Ouais, on est tranquille. On est tranquille, il n'y a rien à faire après. Ça, ça se boit bien. D'accord. Avec modération toujours. Ah ouais, non, mais ça se boit bien. Hein. Et tu vois, il y a les côtés fruités et floraux. Comme tu disais, hein, même à l'odeur, c'est vrai qu'on a ce côté un peu floral. Voilà. Et normalement, voilà. Et. Sur une session, là, ce bouquet floral que je parlais, vu qu'il y a peu d'alcool, c'est assez éphémère aussi. C'est pour ça que je disais que la bière artisanale, c'est 1-2 mois, voilà. Et au-delà, ça, petit à petit, ça va s'étouffer, ça va disparaître, voilà. Okay. C'est pour ça que la bière artisanale, à la limite, en la gardant au frais, si tu la laisses au frigo, ça peut durer encore plus longtemps. Donc, quel conseil pour nos auditeurs, nos spectateurs, justement, est-ce qu'il faut pas garder la bière? Alors, c'est à la conservation, voilà. Oui. La conservation, c'est au froid. Dans le noir, bon, debout la plupart du temps parce que c'est des bières qui sont refermentées en bouteille. Oui. Et mais c'est déjà le froid. Voilà. Moi, j'ai des restos avec qui je bosse qui gardent la bière entre 0 et 4 degrés. Là, elle se maintient super bien. Au niveau de l'oxydation, en fait, c'est l'oxydation qu'on évite hein, des houblons et ralentit énormément. Okay. Par contre, si tu la gardes à 20, voilà, fin août, faut avoir tout bu quoi. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, normalement, ça se boit à l'été. Oui, donc normalement, c'est une bière estivale. Donc, voilà, à la fin de l'été, normalement, on doit avoir fini les stocks. Hein. Exactement. Ouais, c'est d'accord. ça. Mais c'est très important. Ouais. C'est dans le noir, debout et au frais. Voilà. Okay. C'est les trois trucs. Alors, ça s'appelle la East Coast, avec le petit jeu de mots, donc bah, la Coast du Larzac. Ouais. Mais c'est un style de bière, East Coast. Exactement, Donc, pour schématiser, il y a deux styles d'IPA. Je schématise vraiment, les connaisseurs, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je le dis quand même. Non, mais là, on est dans de la vulgarisation. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Il y a deux grands courants dans l'IPA, on va dire. Il y a le style West Coast et East Coast. West Coast, c'est un style qui est assez houblonné, c'est-à-dire qui est amer. Il y a une grosse dose d'amertume et il y a une grosse dose de malt, où le malt est mis en avant aussi, de par les levures, c'est le brasseur qui choisit. Et c'est aussi dû à l'implantation des grosses fermes qui fabriquent le houblon qui sont aussi là-bas. Donc tout est lié en fait, ils ont beaucoup de houblon, ils en mettent et voilà, ça fait des grosses bières, style West Coast. C'est la bière de Viking, comme d'accord. je le dis. Voilà, pour moi c'est ça. Et après il y a, pas le contraire, mais autre chose, qui est la East Coast, c'est un style beaucoup plus fruité, floral, beaucoup moins d'amertume, voire pas du tout, où le malt est un peu plus en retrait et c'est le houblon qui est mis en avant. Le houblon, le houblon. Okay. Et c'est là où il y a notamment les NEIPA, donc les New England Indian Pale Ale. Tout ça, c'est un style East Coast. Et celle-là, moi, ce que je voulais pour l'été, c'était quelque chose qui soit assez cool quoi, à boire. Voilà, fruité, floral. Ça, c'est vrai que c'est une bière qui se boit comme rien. Ouais. En fait, justement, il y a le côté. Complexe avec les notes florales et fruitées, mais c'est pas une bière qui attaque où on se dit oulala, ça va être bon. Il y a les potes bretons là, ils m'ont dit mais 3,5 parce qu'elle est à 3,5, ils m'ont dit mais du site qu'on sort nous il est à 4 ou 5, tu vois, donc finalement c'est super léger quoi, c'est vrai hein. Mais c'est le style session. Ah oui, et j'en profite pour dire ce que c'est aussi une session. Parce que l'IPA, c'est entre 6 et 8 degrés à peu près. Mais la session IPA, c'est un style qui a été inventé par les Anglais, enfin du moins ce que j'ai lu dans mes recherches. En fait, ils faisaient leur journée de boulot. À la fin de leur journée de boulot, comme beaucoup, ils font des apéros. Ouais. Et les apéros, il faut que ça dure longtemps. Donc, il faut pouvoir boire de la bière assez légère pour tenir longtemps dans la soirée. D'accord. Et ça s'appelle c'est de là où est né le style session. Donc, toutes les sessions, c'est censé être très, très faible en alcool. Okay. Voilà. Okay. Une session, c'est entre 3 et 4 normalement. Voilà.
Ce qui est dur, c'est que c'est, en se situant entre 3 et 4, c'est sortir une bière qui se tient. Oui, voilà. Oui, parce que comme tu disais artisanal, tout à l'heure, voilà. Sinon les notes houblon vont partir très vite. Exactement, et puis ouais. Au point de vue du corps aussi, parce okay. que 3 degrés, 3,5, tu te rapproches, bah, t'es pas à l'eau, hein, mais c'est très léger, quoi. Ouais. Donc il faut quand même donner la sensation de boire une bière, oui. Et pas boire de l'eau, oui, ouais, ou une ouais. limonade. Okay. Voilà, donc c'est le défi. Voilà. Donc, on a parlé un peu de l'empattage, donc t'as la fermentation après qui sont dans les cuves. Est-ce que tu utilises des levures spécifiques ou c'est des levures assez classiques en fait finalement que tu utilises pour tes bières? Alors non, au niveau levure, je suis en train justement de changer un petit peu ma gamme de levures en ce moment. Juste avant la saison, c'est un peu couillu comme on dit, mais il faut y aller. Non, en gros, moi je travaille avec les ale, mais comme beaucoup de brasseries artisanales. C'est-à-dire les bières, les levures de fermentation haute température. Ouais. Voilà. Enfin, température, on va dire autour de 20 degrés. Donc ça veut dire que pour fermenter, il leur faut une température qui soit sur 20 degrés. Voilà, le mieux c'est 18-22, mais celle que j'utilise, elle fait plutôt du 15-25. Parce okay. qu'ici, il y a un peu des variations, un petit peu de température. Mais on appelle ça les fameux mondes des ale, A-L-E, ouais. qui viennent d'Angleterre quand même. Pardon, je rote, mais c'est la bière. Et donc, c'est des souches de levure qui travaillent. Là, dans la salle actuelle, il fait 20 degrés. Mmh. Voilà, c'est la température de fermentation. La souche, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Saccharomyces cerevisiae. C'est oui. le nom de, okay. de la souche qu'on utilise beaucoup, les brasseurs artisanaux, mais pas que, parce que beaucoup travaillent les ale. Après, il y a d'autres souches de levure qui existent, mais plus pour la pils ou la lager, par oui. exemple. Ok. Voilà. Okay. La pils, c'est Saccharomyces. Je ne me rappelle plus la suite parce que ce n'est pas du tout ce que je travaille. Mais je crois qu'il y a Carlsberg dedans ou quelque chose comme ça. Et lager, c'est les froides, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, en fait, à pils, c'est. Je schématise, mais c'est fermentation entre 2 et 6 degrés. Okay. Donc ça donne un autre style de bière qui est très rafraîchissant qui est très bonne aussi, mais d'un point de vue artisanal qui est beaucoup plus complexe à sortir. Okay. Parce que là, mes fermenteurs, il faudrait qu'ils soient à 2. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une chambre froide. Voilà, c'est ouais. ça. Ou alors des doubles parois, on y revient. Ouais. Voilà. Après, il y a la lager, c'est 10-15. Et okay. après, il y a les ale, c'est autour de 20 degrés. Franchement, 20 degrés, c'est bien quoi. Après, okay. on peut pinailler 1 degré de plus, 1 degré de moins, voilà, par rapport au faux goût. Mais sinon, c'est autour de 20. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a un gros challenge pour maintenir la température. Bien sûr. Pour pas justement montrer trop haut ou clair. Trop bas. Ça, exactement. Ouais. Si on descend en dessous de 20 degrés, on va développer certains goûts, mais en oublier quelques-uns au passage. Ouais, et au-dessus, c'est le contraire. On peut développer des alcools de fusel, on peut développer du diacétyl, on peut développer, comme je disais tout à l'heure, il y a 30 ou 35 faux goûts dans la bière. Si on fait pas gaffe aux températures ou au taux d'ensemencement, on arrive à des faux goûts qui sont pas très agréables en fait. Oui, voilà, donc, parce que les faux goûts, c'est vraiment des goûts qu'on n'a pas envie bon. D'avoir. Voilà, ouais. Comme je disais, il y a le goût de fouine, il y a le goût de beurre rance, il y en a beaucoup, hein, le goût de pomme verte. Goût de fouine, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a goûté une fouine. Alors, ouais, c'est ça. En plus, c'est même pas fouine, je crois, c'est moufette. La moufette, c'est le pire. Non, c'est vrai. Il y en a un qui sent la chèvre aussi. D'accord. C'est la caprique, je me rappelle plus, c'est l'acide caprique, je crois. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas du tout désirées dans les bières. C'est des déchets de la fermentation. Hein. Oui, c'est la levure qui les émet normalement, en fait, quand elle dégrade justement exactement. En lactose. Et des fois combinées aussi aux infections. Voilà, les infections, oui. okay. c'est jamais bon, du coup, dans la bière. Et ça peut développer des faux goûts qui ne sont pas du tout cool. Quoi. Okay. Immondable, okay. la bière. C'est du vinaigre. Hein. D'accord, voilà. d'accord. Donc, ça, c'est niveau hygiène, il faut être super, moi c'est vraiment mon truc quoi, c'est l'hygiène. En plus, en étant ancien fermier pendant 10 ans, ouais. je passe du temps à nettoyer tout le temps, notamment l'échangeur à plaques qui est vraiment dans les brasseries artisanales, le nid, c'est là où on peut avoir des soucis quoi. Ok, voilà. ok. Et après, donc toi tu fais une technique qui s'appelle le dry hopping, oui. Donc après la fermentation, ouais. En quoi ça consiste exactement le dry hopping? Alors le dry hopping, c'est de l'infusion à froid de houblon en fait. Okay. Durant tout le process de fabrication de la bière, on va pouvoir mettre du houblon. Si je le mets au début de l'ébullition, on va développer, je schématise encore une fois, hein, ouais. mais c'est pour comprendre les choses. Si je le mets au début de l'ébullition, on va développer l'amertume de la bière. Okay. Donc si je mets masse de houblon, ça va faire un truc très amer, mais ça participe aussi à la conservation de la bière. Donc c'est intéressant d'en mettre, de toute façon c'est obligatoire pour la conservation de la tenue de la bière. Si j'attends la fin de l'ébullition,
de la bière au niveau du process. Déjà, on est plus sur des notes florales et aromatiques. Okay. Voilà. Et ça, c'est du houblon qui va rester dans la bière. Mais par contre, il va apporter de l'IBU, qui va quand même apporter aussi de l'amertume. Ça dépend à quelle température. Entre 80 et 100 degrés, ça apporte de l'amertume. À partir de 81 degrés, c'est la température à laquelle on fait un whirlpool, c'est-à-dire qu'on va faire tourner la bière, tout simplement. Okay. Voilà. Okay. Toute la sédimentation va se mettre au milieu, ça va pouvoir, on va pouvoir récupérer la bière. Et pendant qu'on fait ce whirlpool, on peut rajouter des houblons en dessous de 80 degrés, et ça va rajouter ce bol un peu aromatique et floral. Okay. Après, on peut... Ça, c'était juste pour le début. Et pour répondre à ta question, le dry hopping, c'est après. C'est ouais. Il y a la phase de fermentation qui commence. Généralement, on n'en met pas avant parce que tout s'en va avec le CO2. Okay. On en met au bout de 72 heures, quand la première phase de fermentation est finie, que tout le CO2 est parti, du moins chez moi. On peut commencer à houblonner, voilà, autour de 20 degrés. Et là, c'est ça le dry hopping en fait. D'accord. C'est là où on houblonne. Tu le mets au froid ou pas alors? Voilà, ouais, donc il y a un premier houblonnage qui se fait là. Qui se fait ici. Donc on est au troisième houblonnage de la fabrication. Okay. Et après, quand je fais mon transfert, c'est-à-dire que moi j'ai une technique un peu spéciale apparemment. Là j'ai ma bière qui est en fermentation derrière à 20. Ça dure environ une semaine. Et quand c'est le moment, je transvase dans d'autres cuves qui sont au froid. Okay. Donc ça m'évite de balancer en fait finalement du 2 degrés là-bas. Avant mon transfert, je mets ma quantité de houblon souhaitée. Par exemple, sur une IPA, on va mettre 4-5 kilos. Sur une blonde, on va mettre 1 kilo. Ça dépend en fait la quantité. Ça remplit et ça mélange. En plus, au passage, c'est pas mal. Et voilà, ça s'appelle un dry hopping. Donc, d'accord, on peut laisser ça une semaine, 15 jours. Ça dépend les bières. Et donc tu vas en rajouter régulièrement, c'est ça? Non, moi je le fais en une fois. Tu le fais en une fois. Ouais, parce qu'il y a un risque infectieux en fait. Quand tu ouvres une cuve, nous on fait super gaffe à ça, c'est l'infection. Donc moi je fais en sorte de ne pas l'ouvrir trop souvent. Voilà. Donc je l'ouvre une fois, je mets le houblon ayant des capacités, on va dire, antibactériennes, des propriétés antibactériennes. Il n'y a pas besoin, bon, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui le stérilisent et d'autres non, mais moi je le mets comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Et voilà, mélangé à la bière. Et ça infuse à froid. Donc la magie d'infuser à froid, tu développes très très peu d'amertume, voire pas du tout. Par contre, le volet, ce que tu sens là, le volet floral, le volet aromatique. Ça, tu le fais sortir en fait. Ah ouais, tu l'extrais en fait par infusion. Voilà. Okay. Et ça, c'est. Au début, je faisais le dry hopping que sur l'IPA. Maintenant, je fais des dry hopping sur toute la gamme. Ouais, parce que j'aime. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme. Ça permet de mettre en avant le houblon que tu utilises à un moment donné. Alors, c'est très volatile, c'est très éphémère, ce dry hopping, moi je trouve en tout cas. Maximum un ou deux mois après, il n'y a plus rien. Parce que j'ai aussi ma mise en bouteille est très artisanale. Mais voilà, c'est de la bière qui part assez vite, donc c'est bien, les gens peuvent en profiter. Là, ce que tu sens et ce que tu as à l'odeur, c'est grâce au dry hopping. Et au goût, ce que j'ai compris aussi après moult recherches, le goût que tu as, par contre, ça vient plus du houblonnage lors de la fabrication le jour même. D'accord. Voilà, d'accord. Du whirlpool. C'est les fameuses études en anglais que je dois lire pour comprendre. Et qu'effectivement, on a compris que les brasseurs, ils devaient des fois aller chercher sur la littérature anglophone et des publications scientifiques pour justement pouvoir se... savoir à quel moment mettre justement le houblon, à quel moment arrêter la fermentation, si on doit arrêter la fermentation, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est là où il y a le côté scientifique en fait dans le travail. C'est des travaux de recherche qui sont très c'est sérieux quoi, c'est pas moi qui ai sorti un truc, c'est vraiment là j'en ai lu une, c'était une cinquantaine de brasseries aux États-Unis qui avaient fait le même protocole, même houblonnage, mais différents houblonnages à différents moments pour voir les conséquences à la dégustation et de la tenue et tout ça. D'accord. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'on se pose énormément de questions, tous les brasseurs je pense, on se pose des questions mais fondamentales sur la quantité d'houblon qu'on utilise, comment utiliser au mieux en fait. C'est une recherche continue en fait, parce que à chaque fois, avec des recettes différentes, pour la même recette, il y a toujours, j'imagine, l'amélioration de la recette. Toujours, toujours, toujours. Puis chaque condition étant différente, en tout cas dans ma brasserie, à chaque fois, les températures extérieures ne sont pas les mêmes. Voilà, donc moi, le but du jeu, c'est de sortir la même bière et que ces goûts de houblon que j'aime bien rajouter dedans durent.
Voilà, ça c'est mon objectif 2021. C'est vraiment ça, mais c'est passionnant, hein. C'est passionnant. Hein. Quel houblon tu utilises? C'est des houblons européens alors, ou c'est, alors c'est... les houblons, il y en a de tout. J'en utilise, je crois, la dernière fois on les a comptés, il y en a environ 25. Okay. Et en fait, il y a de tout. Il y a du français, de l'alsacien, il y a du belge. Okay. Je travaillais avec du houblon anglais, mais avec le Brexit, c'est devenu très compliqué, donc j'en ai plus. Okay. Du houblon allemand. Donc ça, c'est quand même les trois quarts de mes houblons que j'utilise. Et après, pour les IPA, je vais chercher beaucoup plus loin. Il y a du néo-zélandais. Okay. Un que j'utilise pour l'IPA, que je crois que je dois être le seul à utiliser parce qu'il est très galère à trouver. D'accord. Et américain Américain, oui, mais ça vient, je crois, des îles américaines, pas forcément des États-Unis. Okay. Mais voilà, bien sûr, parce qu'il y a des pépites, faut pas se mentir, qui sont pas mal. Et j'ai pas trouvé encore d'équivalent, après ma petite année de brassage, européen à ça, quoi. Voilà. Ok, il y en a qui avait les mêmes notes, qui avaient ah les... oui, ouais. Bah, je vous ai fait sentir tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on a senti justement les granulés de houblon, là, et c'est vrai que c'est incomparable, hein, concrètement. Ah, ouais. C'est... Mais il y a des houblonnières qui se montent, il y a des gens qui font du très bon travail. Moi, je suis au courant de ce qui se fait en Occitanie, en tout cas, en bio, en plus, qui vont être certifiés bio, et qui commencent à travailler du chinois, qui commencent à travailler... Des houblons qui sont quand même américains à l'origine, mais qui vont pouvoir fournir quelques brasseries, parce qu'on voilà, une brasserie ça consomme. Bon, la mienne elle est petite, donc je pense que je ne dois pas consommer beaucoup, mais des grosses brasseries consomment énormément de houblons, et donc il y a une pénurie de houblons. Et s'il y en a qui veulent monter des houblonnières, allez-y, parce que ça manque, et on a envie de travailler avec filière français, houblon, une filière houblon en Occitanie, ça serait super. Ah, mais ça serait super. Ouais. Puis nous, on meurt d'envie de travailler avec du houblon français, quoi. Mais c'est qu'en houblon français, il y en a, c'est sûr. Mais y a loin, c'est loin d'être aussi complet que ce qu'on nous propose au niveau. Voilà. Moi, je me sers à Montpellier. Chez Rolling Beer, oui, et très connu. Ouais. Déjà, ils ont eu, c'est super le boulot qu'ils font. Mais voilà, j'aimerais bien passer aussi un petit peu chez le producteur, quoi. Ça serait cool. Mais c'est en train de se développer. La bière en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, au Québec, tout ça, ça a explosé depuis très longtemps. En France, on va pas se mentir, ça fait pas 40 ans que la bière artisanale est au taquet. Et donc, c'est le temps que tout se mette en place, je pense. Et c'est en train. Les brasseries artisanales se développent, les houblonnières aussi. Les malteries, doucement, mais ça se développe aussi. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus aussi, des voilà. malteries. Mais c'est des gros investissements, les malteries, j'ai l'impression. Et donc, il faut les gens qui ont la motive, quoi. C'est ça, la motivation de dire « j'investis pour c'est fournir, ça. Effectivement. » C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà. Et les houblons, donc, c'est « everywhere ». D'accord, il n'y a pas de limite. Non, voilà, mais j'en ai mis à pousser un peu là dans la cour pour voir. Sur le Larzac. Ouais, sur le Larzac, ouais. Ça pousse ou ça. Mais tout le monde m'a dit que ça pousserait pas, donc je me suis dit, ben moi, je vais en mettre. Voilà. On va voir. Et ouais, il a tenu un an, là, il a bien repris. Nickel, en fait, nickel. Okay. Mais il est à l'abri, il est au sud. Même si l'hiver a été rude, j'ai pris des. Ça peut rester jusqu'à moins 30, en fait. Donc c'est. Ah, quand même. Voilà, ah, mais certaines souches. Ok. Et du point de vue goût, floral, fruité, tout ça, c'est pas les plus intéressantes aussi. Donc il faut arriver à trouver celui qui plaît au niveau de la bière, et il faut trouver celui qui plaît, voilà, adapté au Larzac. Mais j'y travaille petit à petit. Je fais qu'un an. Le houblon, l'Arzacois ou l'Arzacien. L'Arzacien, voilà. J'attendais la validation. On n'a pas dit quelque chose, Rémi. C'est qu'effectivement, les bières, elles sont agriculture biologique. Elles sont bio, bien sûr. Ouais. Tout est bio. Tous les maltes sont bio. Pour répondre à ta question aussi que tu m'as posée, le pain que je mets dans celle-là est bio aussi. En fait, de toute façon, on est obligé d'être bio. Et sur les 25 houblons que j'utilise, il y en a un où j'ai une dérogation. C'est normal, hein, dans le label AB, il y a certains houblons qu'on ne trouve pas. Et sur les 25, donc les 24 sont bio, sauf un, c'est le Columbus, qui n'existe pas en bio, tout simplement. Okay, personne ne le fait en bio. Encore, j'espère qu'un jour, voilà. Et moi, j'ai appris à brasser avec celui-là, j'ai du mal à m'en défaire un peu. Donc, celui-là, de temps en temps, je l'utilise sur une bière. Et après, le reste, toute la gamme est bio. Tout. Ok, voilà. Ok. Et la bière au pain, alors c'est à quel moment que tu mets le pain, en fait? Parce que c'est vrai que c'est ah, c'est alors, spécial, hein. Mais c'est super, parce que c'est pour ça que tu réutilises, en fait, des déchets de boulanger, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, c'est dans une bière, pour faire simple, on a 70% de malt, en gros,
Je schématise aussi, on peut grignoter à droite, à gauche, mais une bonne recette qui se tient pour moi, c'est ça maintenant. 70% de malt et après, c'est 30% d'apport de ce qu'on veut. Pour l'instant, il faut qu'il y ait de l'amidon quand même. Donc, on peut mettre de l'orge crue, de l'avoine crue, du blé cru, tout ce qui est cru. Ou on peut mettre aussi des flocons, on peut mettre aussi du pain, parce que dans le pain, Eh forcément, ben oui, il y a de l'amidon. t'as de l'amidon, Et donc, on effectivement. peut se permettre de rajouter donc un tiers en gros de pain. Et moi, j'ai des gens autour, on est dans des magasins de producteurs qui jetaient du pain paysan, en plus qui est de qualité, Oui, du très bon pain ok. bio. Et donc, on peut. Voilà, moi, j'avais jamais goûté la bière au pain, je me suis dit, je vais faire un brassin, voilà, j'ai envie de goûter ce que ça donne. D'accord, Après, c'était un peu d'accord. l'aventure, hein, parce qu'on stockait tout dans notre cuisine. Oh Il a là fallu là. qu'on coupe ça. Et le pain paysan sec, autant dire que Oui, il faut y aller. c'est pas de la baguette, hein, c'est vraiment très très dur. Ouais. Ok. Et donc, à l'empattage, en fait, on met Donc ses. tu le brises Oui, en en fait, morceaux, c'est on l'a ça? coupé Ouais. en morceaux assez grossiers, hein, pas de la taille du poing, mais un demi-poing à peu près. Ok. Et au contact de l'eau, de toute façon, autour de 67-68, ça se. Désagrège. Ouais, un petit peu, ouais, Ok. voilà. Donc Ok. l'amidon se libère pas mal. Et donc 70% de malt. Et Ok. les enzymes du malt vont travailler à transformer en fait l'amidon qui est contenu dans le pain. Parce que dans le pain, il Ok. n'y a pas d'enzyme qui permet de transformer l'amidon en dextrine en maltose. Et Ouais. donc c'est les enzymes du malt qu'on fait bosser, qui peuvent en fait, s'appelle le pouvoir diastasique. C'est la capacité d'une enzyme à transformer l'amidon en tel sucre en fait. Voilà. Et donc D'accord, il existe des d'accord. malts spéciaux qui s'appellent du malt diastasique, ça porte bien son nom. On peut en rajouter pour ça, pour booster un petit peu les. C'est naturel, hein, c'est juste le maltage qui fait que ça lui procure ses caractéristiques. Et donc ça vient booster cette transformation et donc transformer cette grande quantité d'amidon qu'on apporte en sucre dextrine ou maltose. Ça dépend, le choix, Ok, c'est le choix du ok, brasseur. ok. Voilà. Mais ça, c'est une bière, pareil, c'est une bière que tu fais pas toute l'année, hein, comme tu disais. Non, c'est bière éphémère, ouais. Il Ouais. faut le temps de récupérer ces 60 kilos de pain. Et le pain paysan se vend très bien. Et il y a très Oui, peu de pertes. oui. Donc, Ce moi, qui est très bien, ce qui est oui, c'est très bien. Parce ouais. que moi, avec mon matériel, Mm. ça, je mets. C'est casse-tête à brasser. En tout cas, c'est très longue journée. D'accord. Donc, ça rajoute un petit peu d'éphémère. Quand il y en a, les gens sont contents, ils viennent et ça part vite. C'est bu vite aussi. Du Oui, coup, les oui. houblons dedans, c'est très bien aussi au passage. Voilà, mais c'est une bière éphémère. Ouais. Je Ok, vais en refaire un ok. pour cet été, parce que c'est les 50 ans du Larzac, hein, et que c'est mon pays, et que j'ai envie. Voilà, Gardarème, Ouais. voilà, c'est Et qui sera donc dans des festivals sur le Larzac ou qu'on la retrouvait ou ça sera plus une bière. C'était Ouais. petit brassin, hein, donc Ouais. les gens viennent ici l'acheter, par Ok, exemple. ok. Voilà. Après, il y a les quelques boutiques sur le Larzac qui nous prennent de la bière. Je pense qu'ils en voudront aussi pour Ouais. marquer un peu c'est les 50 ans du début de la lutte. Voilà. Ok, Parce que le début de la ok. lutte était en 71 Ok, contre d'accord. l'extension du camp militaire. Et effectivement, il y a eu Voilà. énormément de manifestants, hein, puisque Ouais. il y a eu une époque où il y avait plus de 15 000 personnes qui étaient sur le Larzac à Pour manifester. défendre, voilà, pour défendre les fermes qui étaient, les paysans qui étaient expropriés par l'armée, pour pouvoir étendre ce fameux camp militaire. Qui est juste à côté. Ah Alors là, que bah, ils pour le tirent coup, pas, on y est. mais. Hein. Ah oui, on y est Ouais, parce que quand ils tirent, on les entend, vraiment. ouais. Mmh, Donc, d'accord. voilà, bah, on a appris à cohabiter. Voilà. Mais il y a Voilà. toujours le petit Ah bah oui, Gardarème et en plus Gardarème c'était, quand bon même. déjà Gardarème le pain ça veut dire gardon en fait, donc Ouais. Gardarème le pain, et D'accord. je l'ai sorti pendant le confinement et c'était Gardarème, parce que j'ai pas mal d'amis dans la culture, c'était Gardarème la culture, Gardarème beaucoup de choses en fait, Ok, et Gardarème ok. le moral aussi, on dit beaucoup sur le Larzac, voilà, D'accord, Gardarème le d'accord. moral, parce que c'était pas facile le confinement pour certains, et Bah c'est sûr, voilà, ouais. donc voilà, La triple, ouais. alors qu'est-ce que bon triple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats justement sur qu'est-ce que c'est une triple, qu'est-ce qui est triple Ouais, dans justement cette bière. tout à fait. Toi justement, alors comment tu la fabriques cette bière-là? Alors, la triple, déjà, est-ce que tu veux que je te parle qu'est-ce que c'est ou comment je la Ouais, fais? peut-être qu'est-ce que Ouais, c'est et ouais. puis effectivement après toi, Alors, la ouais. triple, le mot triple, alors d'une, c'est pas triple fermentation. La Oui. triple fermentation, ça existe, mais c'est tellement rare que ça voilà, c'est très compliqué d'en goûter. Donc en fait, c'est un truc marketing, la triple fermentation. Ça n'existe pas. Voilà. Ok. Nous, déjà, on est sur la double fermentation et c'est ce que la plupart des gens font. En fait, c'est un classement qu'a mis au point une abbaye en Belgique
au milieu des années 1800, en fait, en 1856 même, c'est l'abbaye de Westmalle qui a décrété que la simple c'était à 3 degrés, la double c'était 6 degrés et la triple c'était autour de 9 degrés et la quadruple c'était 12 degrés. Et en fait, la triple, quand on brasse, le premier jus qu'on a, moi l'empattage là, quand je brasse ma triple, le premier jus, il est, admettons, à 12 degrés potentiel. Si je faisais de la bière avec vraiment ce premier brassin, je pourrais faire de la quadruple en fait. Ah, dès le Voilà, premier brassin, dès tu le premier pourrais faire. brassin. Après, il y a un rinçage des drèches dans le process. Et en fait, on récupère un jus qui est moins sucré, tout simplement. Donc, peut-être, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde mes recettes, mais peut-être c'est un jus qui est à 4 ou 5 degrés, tu vois. Et en mélangeant ça, ça te fait la triple, qui est autour de 8 degrés. Et en fait, les abbayes réservaient, suivant le degré, comment dire, de prestance des gens qui recevaient, telle ou telle bière. La bière de table, pour eux, c'était avec le rinçage des drèches, et c'était une bière à 3 degrés. Voilà. Donc la 3 degrés, il a réservé, on va dire, Pour eux, pour eux. c'était à table, voilà. Et par contre, la bière des invités, c'était la bière un peu Voilà. avec plus d'alcool, plus Les VIP, de... c'était 9 degrés, et après, ceux qui étaient intermédiaires, c'était plutôt 6 degrés. Ça vient vraiment de ça, en fait. Voilà. Ça, c'est la classification officielle. Alors après, il y a les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vu des triples à 5 ou 6 degrés, on voit de tout. Mais si on est un petit peu tatillon, voilà, Voilà, on dit entre ça, c'est 8 et pas une 9. triple. Voilà, entre 8 et 9, c'est pas mal. Au-delà de 9, après, au niveau des levures, il faut changer de levure parce que sinon, il y a une autolyse des levures. L'alcool détruit en fait tout simplement les levures. Ah oui, parce que ça veut dire que autolyse, ça veut dire qu'elles se détruisent elles-mêmes Ouais. en fabriquant de l'alcool, en fait. Ouais, C'est ça, exactement. elles Exactement. meurent de par leurs déchets. Et voilà, exactement. C'est ça. Donc c'est d'autres souches, donc c'est une autre triple, et voilà. Et moi j'ai essayé de brasser celle-là avec les mêmes souches que j'utilisais, et c'est une levure 4-4 qui marche super bien. Et donc je suis assez, ouais, je suis assez content. Toi, elle est Voilà. à combien, alors Là elle est à 8,2. Ok, 8,2. Après, on a artisanal. En artisanal, on a droit à plus ou moins 0,5 en fait. Donc, celle-là, la dernière que j'ai sortie, elle était à 8,4. Voilà. Donc, c'est une triple. C'est une triple, quoi. Voilà. Donc, le soir, les enfants dorment. On peut boire la C'est triple. ça, Mais pas le midi. voilà, la East Coast pour le Voilà, midi et exactement. effectivement plus une triple pour le J'ai que soir. les gens du Nord. Quand ils arrivent ici, c'est la triple. Je peux leur parler de toute cette C'est gamme, vrai. voilà, mais c'est des copains, hein, voilà. Hein. Mais pour eux, ils ont vraiment l'habitude de ces bières assez puissantes et assez voilà, racées. Et la triple ben, leur convient bien. Bah, qu'on retrouve en Belgique C'est notamment ça, ben oui, c'est ça, abondamment, hein, les c'est triples, ça, c'est les bières un peu justement usuelles, on va dire, c'est ça. en Belgique. Avec peu de comment dire, le ratio maltose-dextrine, donc ce fameux sucre résiduel qui est non fermentescible, donc qui reste à la fin, dans celle-là, il y en a un peu plus que dans les autres. Donc ça donne un petit peu c'est un peu gourmand, quoi, voilà. Et après, pour te parler donc de ma triple, Voilà, alors comment tu l'as fait? voilà, donc ben, c'est une des bières les plus galères que j'ai à brasser parce que je suis en 100% malt. En fait, dans la bière, tu peux faire 100% malt, ou alors, à un moment donné, c'est très conventionnel, ça se fait, moi je le fais pas, mais beaucoup de brasseurs le font. On peut remplacer du malt par du sucre, tout simplement de table. Voilà. Bon, peut-être ça communique pas trop dessus, parce que pour moi, en tout cas, je préfère que ce soit du 100% malt. C'est-à-dire que le maltose et de dextrine est issu uniquement des céréales et du malt. Voilà. Et donc, pour faire ça, dans la cuve d'empattage, c'est une espèce de gros pâté, parce qu'il y a une quantité astronomique de malt pour arriver à prendre cet amidon, et ce maltose et les dextrines, tout ça. Et donc, on est sur du 100% malt. Qu'est-ce qu'il y a comme malt? Il y a ben, les trois principales. Il y a de l'orge, du malt d'orge, du malt de blé et du malt d'avoine. Voilà. Moi, je me suis amusé, je me suis dit triple, je vais mettre trois céréales et trois houblons. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut, hein. On n'est pas obligé, hein. C'est ça dans la Non! triple, on fait. Non, tu fais ce que tu veux. Dans la bière, c'est ça qui est bien aussi. Après, pour moi, il y a des choses un petit peu à respecter. Je peux pas sortir une triple à 3 degrés, c'est pas possible. Donc, triple, pour moi, j'ai mis 3 houblons, 3 céréales. Et en houblon, le principal qu'il y a dedans, c'est. Attends que je me souvienne parce que je la brasse 3 ou 4 fois par an. C'est le. Ah oui, c'est une tuerie. C'est le sabreau. Le Le sabreau, sabreau. Enfin, c'est une tuerie, ouais, c'est une tuerie parce que c'est un ovni dans le houblon et. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Quand tu le sens, t'as tout compris. C'est dommage, j'en ai pas là. Il apporte des notes de noix de coco. C'est une fleur, hein. Le houblon, c'est ça. Au cas où, c'est quand même ça. Hein. Je sais pas si les Alors, je gens sais le pas si à la voient. caméra, si Ouais. on le voit, on le Voilà, voit bien, c'est juste une fleur, mais qui a des propriétés de dingue. Il en existe 180.
dont le sabrou en fait partie. D'accord. Et donc, il apporte des notes de noix de coco, de menthe poivrée. Et aussi, alors ça, c'est certains qui me l'ont dit, mais c'est vrai qu'après, au sentier, ça se sent beaucoup. Il y a des notes d'ananas. Et après, j'ai les gens du coin qui m'ont dit, non, mais tu mets du coin dedans, c'est pas possible. Le fruit, d'accord, en fait. D'accord, ah, ils m'ont dit, mais il y a du coin. Je suis là, mais il y a juste de la fleur, quoi. Il y a juste le houblon. D'accord. Et c'est vrai qu'il a une puissance. Celui-là, il est très intéressant. Je pense que je vais le réutiliser sur d'autres un jour. Parce qu'il a une grosse signature. Voilà. Autant les houblons, il y a des familles, ça se ressemble un peu. Tu peux en remplacer un par un autre. Il n'y a que vraiment les connaisseurs qui peuvent le sentir. Le sabreau, c'est une tuerie. Et il vient d'où, le sabreau? Le sabreau, il vient de chez nos amis, les Américains. Ah bah voilà. Voilà. Il vient pas d'Alsace pour l'instant. Ouais. J'aimerais, s'il y avait du sabreau français, mais je me jetterais dessus. Mais pour l'instant, c'est un houblon qui est très récent. Il a deux ans, peut-être trois, je sais même pas. Il est vraiment très très récent. Et c'est un croisement juste de houblon naturel qui fait qu'ils sont arrivés à faire du sabreau. Sabreau. En plus, le nom est stylé. Hein. Ouais, sabreau. Ouais. Sabreau, ouais. Il y a un côté, effectivement, le sabre, hein, ça coupe dedans. Ouais. On a parlé un peu de toutes les étapes, hein, empâtage, fermentation, le dry hopping, donc avec l'infusion que tu fais à froid avec le houblon. Il nous manque peut-être la mise en bouteille et la refermentation, parce que la torture. C'est la torture. Ouais, ben nous ici, on met en bouteille avec des machines atmosphériques, donc c'est-à-dire les brasseurs qui regardent, ils doivent savoir de quoi je parle. On met la bouteille, ça remplit, ça touche le milieu extérieur, donc il y a un gros risque d'oxydation. C'est pour ça qu'on est très rapide. Bon, on a optimisé le truc un petit peu. Alors c'est du matériel qui vaut pas très cher, donc ça c'est le côté positif. Mais après voilà, la bière fait que avec ce matériel se garde pas beaucoup. Voilà, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'insiste beaucoup quand je l'ai déjà dit, mais c'est au froid pour éviter ce phénomène d'oxydation. Et donc la machine, on fait quand même grâce à ça 3000 bouteilles par jour. Donc en deux jours, on se tape 6000 bouteilles. Au bout des deux jours, on est. Ah bah, j'imagine que vous êtes rincé là. On est HS. Ouais. On est HS complet. Mais l'objectif est rempli et on fait ça tous les 8 jours à peu près. Voilà. Ok, voilà. D'accord. Et on musique à fond, on réfléchit pas. On fait et ça. Là, c'est à la moi et ma femme, là on a embauché quelqu'un pour cet été. D'accord. Donc Adriane qui nous file un coup de main. Et voilà, c'est sur tout le process. C'est pas la partie la plus marrante. C'est la torture, c'est la salle de torture. Ici, tu rentres, il y a tout qui est prêt. Et c'est des très grosses journées. Ouais. C'est des très grosses journées. Avec du bruit, c'est en très plus. Répétitif, non, du bruit. Ouais. Bon, après, on met la musique encore plus fort, donc voilà. Mais ouais, c'est. Puis après, la magie, c'est que nos enfants rentrent à 5 heures. Donc après cette journée, il faut s'occuper des enfants aussi. Il y a l'aspect familial. Ouais, qu'on a la maison au-dessus. Mmh. Et mine de rien, ça rajoute beaucoup aux journées. C'est sûr, la journée, ça veut dire qu'elle n'est pas finie. Quoi. C'est ça, exactement. Il y a une autre journée qui commence, en fait. Il y a une autre journée qui commence. À 20h, elle finit. Et là, on peut boire une IPA ou une triple. C'est ça. C'est ce que, effectivement, conseil de Rémi. si vous avez des enfants, vous voyez de quoi on veut parler. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, on met en bouteille ici. Ouais. Et après, ça repart à la refermentation dans la pièce d'à côté, où on fait un tunnel, parce qu'on n'a pas de pièce, en fait. On met de l'air chaud qui va réveiller, entre guillemets, les levures qui sont anesthésiées par le froid, donc d'accord. De la mise en bouteille. La mise en bouteille se fait autour de 2 degrés, en fait. Le produit est à 2 degrés. Ça permet aussi le peu de CO2 qu'il y a dedans quand même de rester. Ça permet aussi qu'elle ne mousse pas quand on remplit. Et ça permet aussi d'endormir ces levures. Le jour de l'embouteillage, on rajoute une petite dose de sucre qui va être un levier pour la refermentation en bouteille créer le CO2. Qu'on voit après, voilà. Parce que quelles sont les autres techniques? L'autre technique, ça serait d'arrêter la fermentation. Oui, et puis c'est après, ça, ouais. Exactement. Okay. Pour moi, c'est un level au-dessus, parce que je n'ai pas les connaissances pour, mais beaucoup le font et ça se fait très bien. Tu arrêtes la fermentation primaire, tu mets en bouteille et tu laisses terminer la fermentation en bouteille, en fait. Donc, tu as un process qui dure... Je pense beaucoup moins longtemps. Nous, c'est un mois et demi, en fait, avant la dégustation. Pour connaître d'autres brasseries, je crois que c'est 3 semaines à peu près. Donc, t'es quand même sur la moitié en production, moitié temps, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Quand c'est le rush, ben, ça permet d'envoyer, quoi.
Voilà. Ok, voilà. Très bien. Où est-ce qu'on trouve tes bières un peu, bah voilà, pour ceux qui nous auront écoutés ce soir, bah qu'est-ce que, voilà, où est-ce qu'on trouve tes bières si jamais on est Un peu intéressé? partout. Non, alors il y a le réseau hiver et après il y a le Ouais. réseau saison. Sur le Larzac, c'est vrai qu'on a été pas mal démarchés. Nous, on n'a pas démarché beaucoup en fait, hein. C'est beaucoup les gens qui viennent nous voir, qui veulent bah, vendre notre bière. Donc ça nous fait plaisir parce qu'ils l'ont goûté, parce qu'ils trouvent ça cohérent aussi bah, de vendre une bière locale, c'est normal, hein, voilà. Donc sur le Larzac, bah, partout, t'iras, peut-être on sera pas loin. Ouais, Voilà. voilà, On n'est pas il y partout, aura la mais brasserie du on n'est pas Larzac, partout, mais voilà, on a senti cet engouement et ça fait plaisir, ça me motive dans le travail, moi. À la Couvertoirade, on est pas mal. Au Keilar aussi. Ok, ouais. voilà, la Vacquerie. Après, on est sur les contreforts un petit peu du Larzac. Ça nous suffit. On est sur l'Audève, Clermont-l'Hérault aussi. À Aniane, dans une super boutique. On est à Montpellier. La couleur de bière ou... Non, on a démarché personne. Hein. Oui, c'est Voilà. vraiment les gens qui sont venus, hein. Ouais, et on Ouais. a du mal à suivre. Donc, tu vois, pour l'instant, on fait gaffe parce Ok, que j'ai pas envie de ok. passer pour un guignol à démarcher et à Ouais. rien avoir à vendre. Bien sûr, bien Moi, l'idée, sûr. c'est si je veux voir quelqu'un, je veux le fournir. Et on est. Alors, il y a... Oui, mince. L'épicerie fine de l'Aveyron, Ah, voilà. voilà, d'accord, ok. Ah, ouais, ça m'étonne pas, Voilà. ouais. Oui, Ouais, ok. et ça a l'air de plaire là-bas. Et peut-être qu'on va rentrer en Biocoop, à voir, dans le Ok, coin. On a été ok. audité, bon, voilà, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on puisse suivre, en fait. Moi, c'est ça le truc. Bien sûr, il faut que ta production, elle puisse Voilà. justement Exactement, pouvoir se voilà. diffuser. Et puis, on a un modèle où pour l'instant on gagne bien notre vie en vente directe. Donc c'est bien à pérenniser. Et donc, ça veut dire qu'on peut venir à la Ah oui, bien Blachère sûr. et on sera bien accueilli, si je comprends bien. Normalement, oui. Les bonjours, mais non, Les bien sûr. bonjours. Non, mais en plus, on est ouvert tout le temps. Moi, quand je brasse, bah, je me régale à faire sentir, à faire découvrir aux gens. Et en fait, ici, c'est notre salle de stockage. Mais c'est aussi une salle de vente en fait. Les gens prennent Ouais, nos ouais. cartons, ils sont contents. On n'est pas cher, on est à 2 euros la canette, c'est honnête. Et bah, les gens le savent en fait. Voilà. Et puis ils voient où est implantée la brasserie, comment c'est brassé, quels produits. Et ça, c'est super important. Et le fait de faire la bière pas chère, c'est une volonté justement Ouais. de la rendre accessible ou Oui, bah c'est... Ouais. déjà, de faire connaître le produit, ça passe aussi par l'aspect économique. C'est-à-dire, bah, si j'ai une bière, je vais exagérer, mais pour comprendre, hein, si je la vends à un pro 2 fois plus cher, bah, il va aller voir peut-être moins cher aussi. Bah oui, bien Donc au sûr, bien début, pour sûr. faire connaître la bière, pour donner aux gens envie de goûter la bière, ça passe par ça. Ça passe par une étiquette sympa aussi. Oui, très sympa. Hein. Alors, je ne sais pas si on a bien vu l'étiquette de la East Coast, mais Ouais. effectivement, elle est très jolie, hein, elles sont très jolies. Hein. Ouais. Ouais, c'est un bon boulot, c'est notre graphiste Audrey, la boîte à pixels qui est à Rodez, qui bosse super bien. Et du coup, j'ai énormément de demandes pour savoir c'est qui votre graphiste et tout, parce que c'est vrai que c'est bien ce qu'elle a fait. Nous, on a les idées, on travaille avec elle et c'est vrai qu'on fait. Et ça donne envie de goûter la bière. Parce que la bière, il y a déjà l'acte d'achat, quoi, quand même. Il faut donner Ouais, envie d'acheter. bien sûr. Et puis après, le goût, ben, c'est mon boulot, ça, qui a un goût d'y reviens-y, quoi. Bah oui, qu'on aurait envie Voilà. d'en reprendre une autre. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on Et peut ouvrir d'ailleurs, l'autre. c'est ce que j'allais dire, ça Ça, tombe bien, il y en a une c'est bon, ça. Bon, là, elle est chambrée, autre. celle-là. C'est encore plus. Parce que dans la brasserie, il fait 22. Et tu vois, de faire des bières stables. Parce qu'au début, le problème des bières artisanales, c'est quand même que ça gâche. Oui, Ça ça mousse, mousse, ça c'est mousse. vrai, c'est vrai. Et là, tu vois, il fait 20, et de faire une bière qui se tient comme ça, Et qui a resucrée en bouteille, justement et qui remousse pas ouais, derrière, qui franchement, moi, c'est mon défi un peu dans la vie. Hein. Voilà. Et les brasseurs me comprendront, ouais. Merci. Et d'ailleurs, juste parce que Il y en effectivement, on a d'autres au frais pour voit. le caméraman. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que le caméraman Il doit avoir soif, quoi. commence à avoir soif. Mais d'ailleurs, je vois qu'on la voit bien à l'écran. Alors, ce verre-là, il est un peu particulier quand même, ton Oui, verre-là. ouais, Ouais. c'est un técou. C'est un verre de Ouais. dégustation de bière. Bon, après, D'accord. on peut boire du vin, on peut boire plein de choses dedans, en fait, hein, il n'y a pas de souci. Il a été mis au point il y a quelques années par les Italiens, je crois. Et voilà, moi j'aime bien Parce pour la que dégustation, c'est c'est vrai très que important. ça ressemble à un verre à vin Oui, avec effectivement ils se sont inspirés de l'œnologie, ouais. je pense. Et voilà, moi, quand je déguste une bière, il y a le côté olfactif aussi, quoi. Ok, À la ok. bouteille, si vous buvez la bouteille, déjà il y a la levure, ça mélange.
Alors okay. pour le brasseur, on ferme les yeux, on ne veut pas voir ça. Et après, après on enlève le côté, bah, le côté olfactif. Le nez, quoi. Voilà, en fait, hein. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est comme le vin, la bière artisanale, ça se déguste comme le vin. C'est-à-dire dans un verre. Voilà. Et au fur et à mesure de la dégustation, ça change aussi. Le goût va changer de la bière. Moi, sur une 75 IPA, le premier verre n'a pas le même goût que le troisième. Okay, pas à cause de l'ivresse, non. C'est vrai, il y a un phénomène. Voilà, la bière. C'était Papy qui ouais. aussi. Et c'est le dernier verre qui est le meilleur, en fait. Voilà. Okay, okay. Je pensais être le seul à m'en rendre compte, ou du moins à ressentir ça, et pour en avoir parlé justement avec d'autres personnes, et c'est exactement pareil, ouais. Donc c'est vraiment le dernier verre. Ah, il y a une science de la dégustation de la bière, vraiment, okay, c'est dingue. Ouais. Okay. Là, en fait, si je vais verser la bière, aussi, il y a un truc qui est super intéressant que peu de gens le savent. Si je la verse comme ça, c'est-à-dire très légèrement, il y a peu de CO2 qui va s'échapper et donc elle va être moins amère. Si tu verses une bière comme ça, toute la bière, et que tu fais beaucoup de mousse, elle va être beaucoup plus amère. D'accord, voilà. Okay. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps sur des livres de dégustation de bière. Okay, et ben, ça dépend les goûts de chacun, mais voilà. Donc c'est pour ça que généralement, tirer une bière ou servir une bière, ça dépend, ben vraiment, c'est toute une science. D'accord, ouais, d'accord. C'est dingue. Et c'est vrai qu'il y a un magazine qui est très très bien, alors si ça vous intéresse, hein, Bière Aimée, oui. Qui est un très très bon magazine où justement, alors là, c'est vraiment le côté dégustation de la bière avec l'accord Mes Bières, quoi, hein, mais vraiment très intéressant. Enfin là, pour avoir des petites astuces, justement, c'est... Pour le fromage, nous, on a commencé à tester un peu, parce que, bon, moi, j'étais grand fan de vin aussi avant, hein, y a pas de souci. Mais bon, de faire de la bière, c'est vrai qu'on est amené à boire plus de bière. Mmh. Et du coup, des fois, à manger avec du fromage, et c'est une tuerie, quoi. Vraiment. Ouais, Moi, c'est des bières houblonnées que j'aime bien avec le fromage. Y en a certains qui aiment l'ambré, plutôt. Mais c'est vrai qu'on a fait une raclette IPA. On avait pas de vin, en fait. On d'accord, a dit, bon, on va aller, tant pis, on boit de l'IPA avec. Et franchement, bon, on était beaucoup, hein, et c'était une tuerie. Vraiment, c'était très complémentaire, le goût. Bon, la raclette, voilà. En plus, c'est plutôt fort en goût. C'est hein, très fort, mais bon. L'IPA allait parfaitement avec ça, quoi, moi, je trouvais. Okay, ouais. Okay, et okay. Dans les restos, on nous prend, il y a plus en plus de restos qui viennent nous prendre de la bière pour proposer à côté du vin. Ouais, parce que le vin, bon, c'est très bon, il a fait ses preuves et tout, mais des fois, c'est un petit peu fort, c'est 14 degrés. Sur des bières, on est un peu plus léger, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Et puis, ça apporte un peu de nouveauté. Et puis, c'est vrai qu'on découvre cet accord Mes Bières aussi depuis quelques années. Oui, hein, c'est parce ça. Que c'est vrai qu'il y a pendant très longtemps, dans la gastronomie, en tout cas française, ouais, c'était plutôt le vin que la bière. On se disait pas, tiens, on va accorder Mes Bières. Alors tout que maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de restaurateurs qui le proposent. C'est ça, grâce aux itologues qui travaillent bien, ou biérologues, c'est pareil, qui font un super boulot à former les restaurateurs qui sont en demande, d'ailleurs, hein, sur les accords. Mais bière, et ça c'est super, ouais, ça c'est bien, ouais, c'est bien de voir sa bière sur des grandes tables, ça fait plaisir. Ah bah ça fait plaisir, c'est ouais, la reconnaissance quand même. Ouais, c'est ça exactement, ouais. C'est très bien. Je crois qu'on va clôturer là, Rémi, avec ce coucher de soleil. Ah, ici, qui c'est le... pas, là on est bien situé là. Hein. On s'est inspiré de ça pour ça, ouais, exactement. Bah, elle tombe bien la East Coast là. Ouais, on est sur effectivement. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent, exactement. Mais bon, on est toujours cohérent à conscience. Hein, vous commencez à le comprendre. Hein, on a fait exprès, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup Rémi pour ton accueil. Avec grand plaisir. Et pour nous avoir fait partager ta passion et effectivement ces produits de très très bonne qualité. Moi, je vous la conseille, la East Coast, elle est extrêmement extrêmement bonne. Et pour avoir goûté la Gardarem, elle est pas mal non plus. Voilà. Merci. Je n'en dis pas plus. Goûtez-les, c'est, je pense, la meilleure preuve de ce qu'on avance. Voilà. C'était le dernier numéro. Donc, on finit sur le Larzac avec un coucher de soleil. Moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est le top. Alors, bon, le coucher de soleil, là, vous le voyez pas trop. On est effectivement. Vous voyez un petit peu les lumières du couchant, là, je le vois sur l'image. Ouais. En tout cas, si jamais vous avez aimé les sciences du terroir, n'hésitez surtout pas à nous le dire parce que ça nous invite à faire une saison 2, donc à aller rencontrer de nouveaux brasseurs, à aller faire un petit tour de la région Occitanie.
On n'a pas trop fait du côté des Pyrénées, ça c'est vrai. Alors que pourtant, il y a des belles brasseries aussi là-bas. Carrément. On n'a pas tout exploré non plus du côté aveyronnais et lozérien. Et pourtant, il y a aussi des très bons produits de ce côté-là. Donc si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à mettre un petit j'aime bien sûr sur la vidéo, et puis également, pourquoi pas, nous écrire un petit mail, à nous mettre un petit commentaire. Et nous, on continuera effectivement à aller voir les brasseurs d'un peu partout pour bah voilà, faire ce qu'on fait, c'est-à-dire une petite dégustation et un petit dialogue autour de la bière. Pour clôturer la brasserie du Larzac, pour retrouver les bons produits, il y a le Facebook aussi, hein, pour en savoir Oui, plus. on est sur Facebook, on est sur Instagram, les deux voilà réseaux et c'est franchement c'est bien parce que ça nous permet de rayonner. Peut-être que vous nous avez connus comme ça ou autrement, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un super outil. Au début, je ne pensais pas autant, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un très bel engouement et les gens voilà nous suivent entre brasseurs aussi pour savoir où on en est. C'est super. Donc Facebook, Instagram. On n'a pas de site internet pour l'instant. Ouais. Ça fait que non, comme je dis. Donc Oui, voilà, c'est tout récent aussi, voilà. hein. On va y aller peut-être pas à pas. Exactement, voilà. Déjà au bout d'un an, c'est pas mal. Et Non, mais pour avoir cette référence, et oui, c'est puis ça. Ouais, c'est quand même pas c'est mal. ça. Ouais, Et là, on peut l'avantage dire. d'être micro-brasserie et de moi faire mes choix un petit peu de brasseur, même avec ma femme, hein. Mais quand je lui dis moi j'ai envie de faire ça, elle me dit vas-y quoi. C'est Ouais. que c'est les éphémères, c'est pratique. Parce qu'on peut en sortir quelques-unes, mais on n'a pas la pression de la tenir toute l'année, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Voilà. Mais maintenant, voilà, j'ai sorti, moi dès que j'ai repris la brasserie de mon père, j'ai sorti d'abord celle-là, après celle-là. Et cette année, j'ai sorti ces deux en fait. Voilà. Et Ok, c'est pas mal, c'est ok. pas mal. Après, il y a une surprise qui arrive au mois de. Alors, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a quand même Ouais, il y a un un... dernier. En fait, tout s'est rajouté en même temps et ça me fait plaisir. Ouais. Donc, il y aura un partenariat au mois de. On sait pas trop encore, octobre, novembre, on n'est pas pressé. Où bah, il se passera des choses. Voilà. Ah, donc, Ouais, ouais. c'est quelque chose d'assez sympa à faire. Ouais. Je vais me régaler. Voilà. Donc, suivez la page Facebook La Brasserie du Oui, Larzac si vous voulez en ouais. savoir plus. Et puis également, alors on vous l'a mis dans le descriptif YouTube, hein, donc vous regardez en bas, normalement, vous avez effectivement le Facebook, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est le moment de nous dire au revoir, de passer un bel été. Ouais. Pleine Reposez-vous, voilà. bière. Déguster une bonne bière en terrasse, ça fait toujours Ouais, plaisir. ça y Vu est, que les ouais. terrasses en plus sont réouvertes, donc n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, on vous retrouve à la rentrée pour de nouveaux contenus, toujours plus avec bien sûr de la science, le territoire local, nous c'est avant tout le territoire local, de l'écologie, du développement durable, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube de Quoscience. Et je vais clôturer directement le petit enregistrement. Avec un bonne soirée tout le À monde. bientôt! À très bientôt.